Le cadeau du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme a décidé d'organiser cette conférence, c'est pour plusieurs raisons. Mais les raisons fondamentalement concernées la nécessité d'organiser des assises criminelles durant ce débat. Et on va comprendre leur aller dans l'article 180, 181 et suivant du code d'instruction criminelle, la loi fait obligation aux douaniers du tribunal de première instance d'organiser chaque semestre des assises permettant aux prisonniers d'être jugés, permettant aux prisonniers d'avoir accès à la justice. Et je dis à nous-mêmes comme avocats, comme structure douanière du cadeau, nous faisons conférence, c'est parce que nous estimons que les prisonniers à travers tout le pays sont laissés pour compte. Moi-même, comme avocat, j'ai tellement souffri. Assise qui est presque 4 ans, il n'est pas jamais organisé. L'article 181, il dit chaque 6 mois, vous faites assise. Et que nous sommes 4 ans, nous ne faisons pas assise. Vous comprenez combien de monde qui va la là. Et l'ordre de droit, le droit à la justice est un droit fondamental. Nous-mêmes, nous avons boumé pour ça. Le droit d'être jugé est un droit fondamental. Nous avons boumé pour ça. C'est ça qui fait nous tirer la sonnette d'alarme. Parce que l'autorité qu'on a là, c'est élection ou équipe de notre sujet. Mais oubliez, nous sommes en prison. Oubliez, nous sommes jugés. Oubliez, mesdames, cabaret. Et ils mettent son nom du cabaret. Actuellement, dans le cabaret, dans la prison civile du cabaret, il y a presque 400 femmes. On est condamné, même si on se connaît, 42. 42 personnes qui sont condamnées déjà dans la prison civile de Cabaret. Jenny Cabo pour la vie peut être un héros matériel parce que tout le monde peut être choqué. Quand pile on a la prison, bon hier matin, il va bien, côté que, je dis qu'il y a presque 6 personnes qui sont dans la prison. En dans la prison civile, on ne va pas aller. Nous faisons, nous faisons, mon vidéo là, ma pour éviter. Internaute journaliste qui m'a posté à une heure sur compte Twitter. Alors peut-être que, excusez-moi de ne pas le faire, il va choquer nous, mais nous va crier pour nous dans quelles conditions que nous avons dans la prison civile pour le reste. Nous toujours aimé dire, nous ne pas inventer nous. Qui sa autorité au fait pour permettre que nous nous rejoignons de meilleures conditions? C'est bataille ça que tu as droit. C'est dans le sens ça qu'on dit autorité exécutive, à savoir Ariel Henry. Grande responsabilité, mettez toutes mises en place pour que assises organisées, moi ça. Nous ne pas d'accord pour qu'on ait à faire son corps pour nous pas juger. Nous même au niveau du cadeau, nous tellement bien avocats disponibles et disposés, nos services sont gratuits pour défendre ces prisonniers. Et imaginons que nous là, nous jeunes avocats, nous sommes compétents, nous qui bataille, l'État pays ne pas permettre que nous ne jeunions. Donc, dans ce sens, on a fini pour nous dire que, avant pour l'autre point, on a fini pour nous dire que, il est important pour comprendre que prisonniers politiques, courage, Abelson Kone, Kirill Persemedus, Anel Belize, tout le monde qui a arrêté, tout le monde qui n'a pas eu de parler pour nous, tout le monde qui n'a pas eu de nom, tout le monde qui l'a laissé pour compte, quand nous rien dans la prison, TV, moi dans la prison, Fabien, je dis que son nez pour être fait mal, mais moi, si je suis pas venu, je n'ai pas eu de cacher, l'eau n'a pas propre. Manger à pas bon. En de prison civile, qui a été chargé. On a mouru TP. Bon, dispensé en de prison, même franchement, ça, le couloir de la mort. Des bons que la dette, c'est sorti quand sortir a dans sorti. Donc voilà pourquoi on a dit que nous tirer la sonnette d'alarme. Nous crier au effort pour nous dire Ariel Henry, prends responsabilité. Si c'est le ministre de justice, vous avez changé pour permettre que le tribunal fonctionne, pour permettre que la six organisée. Pour qu'on peut que malheureux, qui vont nous mouer à juger, qui vont nous poule à juger. Nous pas qu'à vivre dans l'état barbare. Nous ne sommes plus à l'état de la barbarie, mais à un état où les droits fondamentaux de la personne humaine doivent être respectés. Deuxième point. Un dossier qui va devenir un pile pendant ce moment-là. Et avant de l'annoncer ça, en fonction de jumelage. On dit toute autorité, tout le monde, tout acte en dans société civile, quel que soit le rapport qu'il y a signé, depuis l'IPAP,
en considération la libération des prisonniers politiques, le cadeau n'appuiera pas sur la porte. Depuis pas pris en compte la relocalisation du tribunal, à quoi ça, le cadeau n'appuiera pas sur la porte. Depuis pas pris en compte les mécanismes, les dispositions à prendre pour la, le fonctionnement en plein régime de l'appareil judiciaire, cadeau va appuyer. Depuis pas pris en compte l'assainissement des prisons, l'amélioration des conditions de détention, le cadeau n'appuiera pas sur la porte. Parce que notre bataille comme organisme de droits humains pour la préservation des droits fondamentaux de la personne humaine, constate tout. Notre bataille pour les gens qui sont en prison, notre bataille pour les gens qui ne sont pas avocats, notre bataille pour greffier, notre bataille pour juge. Parce que moi-même, comme avocat, je veux que tout le monde juge. Je veux que je combatte sur la population carcérale. Et c'est dans ce sens-là, mardi 10 août, je fais sit-in devant le ministère de la Justice en faveur d'Abelson Gounek. Pour nous dire avec son bonnet, nous ne parlons pas. Et j'ai dit dernièrement, il faut qu'on fasse dernièrement, le Dalphon City devant le coup d'appel pour Daniel Bérisé. Je l'avais dit, ça avait froissé plus d'un. Le dossier d'Daniel Bérisé n'était pas à la cour d'appel. Le dossier d'Daniel Bérisé est à la cour de cassation parce que le commissaire du gouvernement avait exercé un pouvoir. Mais nous-mêmes, ouais, pourquoi même pour n'avons pas fait City Maltien. Nous n'avons pas fait City Maltien pour nous dire, ouais, Bernard Servi prend responsabilité dans le cadre du dossier d'Abel son bonnet. Désigner un juge pour qu'attendre à Béasco pour savoir son bonnet. Nous prenons des autorités autour, regardez, détachez-vous pour mettre Jean-Jacques. Nous parlons ça n'a fait. Juge qui va dans le cours de cassation, météo, pour juge pour le cours de cassation, qui a réuni, qui a statué sur les différents pouvoirs exercés contre les arrêts ordonnances émis par la cour d'appel. Il y a un sens à nous battre ici. Et il est important pour nous comprendre que nous invitons tout le monde à venir dans City ça parce que le fait, nous faisons boire Belson, nous faisons pour l'autre monde, nous faisons pour tout. Donc si il y a un pour la première, bon, il n'y a pas la bonne. On peut avoir une raison, c'est, alors ça ne va pas sauter, c'est leur constat qu'on se malaise, on se malaise, qui boit là comme vol en bloc, après 10 ans en prison. Fabien, on ne va pas dire qu'il va venir là. On est qui va arrêter pour voler pour eux. Voler pour eux dans son délit. Il fait 3 ans pas bien de prison. 3 ans, il y a une purgée peine volée pour être là. Ou peut-être que le tribunal va fonctionner, il fait 2 ans. Parce que chaque temps, il vient par un juge. Pas bien donné. Il finit dernièrement là. 3 ans plus 2 ans, fait 5 ans. Il ne va pas juger pour son bonheur. Parce que greffier pas bien de tribunal. Ça va faire 6 ans. Il vient d'avoir 3 ans déjà. Il fait 3 ans, déficit, il perd du 3 ans dans la ville parce que le tribunal va fonctionner. Dernier point, c'est un point qui fait parler de l'IAMP, les postes, ça va l'intéresser tout l'interlocuteur, même pas avocat, journaliste, même d'habitude, mais son mise au point va faire comme avocat. Mise au point sous action qui fait pour le journaliste, la zone légale. Mais on ne parle pas de défendre le journaliste, mais je veux faire cette mise au point. Pour permettre aux étudiants, aux journalistes, aux internautes, aux téléspectateurs de comprendre la nécessité ou bien l'importance, les nuances de cette action. Action faite là, ils sont actions en pension alimentaire. Pension alimentaire pour un bon créole, on est beaucoup plus de pouvoir occuper le madame ou qu'à faire action en pension alimentaire pour forcer ou occuper de nous. C'est ça que fait là dans le cadre du journaliste. Mais, nous, ce qu'on fait bien, c'est que décret 14 septembre 1983, et bien sûr, l'Idzou, écoutez, monsieur a fait une demande, madame a fait une demande pour occuper. Depuis, il est venu devant le tribunal, il y a fait action en pension alimentaire. Que vous venez, que vous pas venez, décision pour opposer à vous-même. Vous avez dit, lorsque ma tante de journaliste a commenté, moi, je voulais éclairer l'antenne population. L'on est pour si nous pas occuper. L'on fille ou font si nous pas occuper. Il y a une action devant nous pour forcer à occuper. Maintenant, décret. Le monde qui t'a pris décret, il dit comme son petit monde, on ne peut pas dire la foi intérêt. Et ça fait l'exacte de ça. Il dit si je dis la foi, si mon nom malade, il y a un problème parce que petit monde, si on fait que petit monde n'a pas manger. Comment dire? C'est parce que tout le monde va manger. S'il va manger, c'est le réseau qui fait pour protéger l'intérêt. Donc, maintenant, le décret a dit
Que là, le envoyé papier par vous, venez devant le tribunal, venez plaider. Si vous n'avez pas si dame m'a demandé 100 000 pour lui-même son bâtiment chaque mois, vous êtes obligé de payer 100 000 pour ça. Parce qu'on va là. Mais par contre, le envoyé papier à vous, Fabien, vous venez. Vous devez dire que vous d'accord. Vous devez contester mon temps. Vous devez dire que vous n'avez pas d'accord. Vous devez dire que vous n'avez. Mais le fait qu'on ne pas finir, si dans le moment de 100 000, 200 000, 300 000, décision opposable à vous-même, ça te pique. On va faire recours. Dans le cadre d'une action en pension alimentaire, il y a une zone. On ne pas faire appel, non. On ne pas faire appel pour dire pas d'appel, non. On ne faire cassation. On va exercer un pouvoir en cassation. Le pire, même l'on fait cassation, il y a une zone. Cassation par suspendre et faire ordonnance, non. Si moi, je vous regarde. Si vous dites que vous êtes occupé, vous avez 100 000 euros par mois. Oui, j'ai payé. Si vous payez, ça arrête, il n'y a pas de tout. De vous payez, il n'y a pas de tout. Il y a mis tout dans la prison. Il y a plein de go. Vous n'avez pas de passer plus qu'un mois. C'est jusqu'à ce que vous payez pour la go. Donc, moi, je voulais comprendre, moi, je voulais expliquer à l'internaute que ce n'est pas une sorte d'arbitraire que vous avez en fait. Mais c'est, au contraire, c'est législateur qui vous pose une question. Pour qui ça, vous avez décidé avec activité comme ça, vous comprenez, c'est protéger l'intérêt supérieur général de l'enfant. Pour protéger l'intérêt de l'enfant, on te décide comme ça. Mais nous-mêmes comme avocats, il faut commencer à réfléchir. Comment, quel type de loi la prendre, quel type de décret la prendre pour ne pas léser la société, pour ne pas abuser de nous en l'autre. Mais cependant, il faut toujours faire en sorte que dans le cadre d'interaction, que l'intérêt supérieur général de l'enfant soit respecté. Et même l'intérêt qu'on a respecté, il ne faut pas éviter léser personne. Merci beaucoup.